2 ans que j'avais pas mis les pieds dans la moitié de salle qui me sert à entreposer toutes mes babioles rétro gaming. Alors, forcément, ça laisse des traces. Il m'a fallu 3 bons jours pour tout remettre en ordre. Et bon, bien que je sois pas fan des vidéos collections, je sais qu'il y en a pas mal qui kiffent ce genre de conneries. Alors voilà ma redoutable et trépidante vidéo inventaire des jeux du rat qui pue. Vous allez pouvoir m'entendre énumérer chaque jeu en ma possession sur un ton monocorde. Alors, pour les jeunesses, on va commencer avec les classiques. Le Mario Bros. Duck Hunt, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, le classique Zelda cartouche dorée, suivi de Zelda 2 Adventure of Link. Double Dragon, Double Dragon 2, Mega Man 3, Robocop 2, le grand classique Tortue Ninja. Chevalier du Zodiaque. Kirby's Adventure. Top Gun. Top Gun, seconde mission. Bayou Billy. Goonies 2, Tom et Jerry, Isolated Warrior, Russian Attack, Power Blade. Out. WrestleMania, un jeu de catch. California Game. Fighting Golf. Et Ice Hockey. Alors, pour les jeunesses en boîte, Super Mario Bros. 2, Shadow Gate, Defender of the Crown et Radrasseur avec ses lunettes 3D intégrées. Les jeux de la Sega Master System, alors Super Tennis, Enduro Racer, Outrun, Shinobi, Alien Storm, Zool, Michael Jackson Moonwalker, Renegade, Speedball 2, Wonder Boy 3, The Dragon Strap, Castle of Illusion,
Docteur Robotnik. 'Terminator', Spider-Man, Wimbledon, Super Kick-Off, World Grand Prix, Ayrton Senna, Super Monaco 2, World Cup Italia 90, Winter Olympique, Olympique Gold, Opération Wolf, André Agassi. Passons maintenant au jeu Game Boy. Alors on commence avec un grand classique, Super Mario Land 2. DuckTales. Bugs Bunny. Revenge of the Gator. Robocop. Desert Strike, Tetris, Docteur Mario dans sa version japonaise, Gremlins 2, Astérix. Le livre de la jungle, Jungle Book. Pit Fighter. César Palace. F1S, que j'ai en deux exemplaires, puisqu'on pouvait y jouer en câble Link, tout comme Tetris. Une cartouche du jeu indépendant Die and Retry, sur lequel j'avais participé comme testeur, ainsi qu'une autre cartouche de développement de Boruga. Alors, à présent, les jeux Super Nintendo, Super Mario Kart, Super Mario All-Star, Donkey Kong Country 2, Super Star Wars, Goof Troop, Zelda, Secret of Mana, encore Secret of Mana, mais cette fois dans une version allemande. Poké et Rocky 2. Pilot Wing. Dragon. Final Fight 2. Dragon Ball Z, la légende de Saiyan. Astérix. Tiny Toons Adventure, Buster Bustaloose. Bubsy. Chaque fou, Best of the Best,
Blazing Skies. Super NES Nintendo Scope 6. Maintenant les cartouches américaines. Alors la cartouche de Zelda. Final Fantasy 3. Donc Final Fantasy 6 par chez nous. Demon Crest. Ogre Battle. The March of the Black Queen. Et Fatal Fury 2. Et les jeux Super Nintendo mais en boîte. Donc Eric Cantona Football Challenge. Sin City, complet avec la notice. Killer Instinct, ils n'ont que le CD audio à l'intérieur. Et Starwing. Les jeux de la Nintendo 64, le Super Mario, le Mario Kart, le Donkey Kong, l'Illatoire. C'est en réalité Starwing 64, le mythique GoldenEye 007, Bust a Move 2, V-Rally et International Superstar Soccer. Les jeux Game Boy Advance, je commence par le seul que j'ai en boîte, V-Rally 3. Mario Kart Super Circuit. Final Fantasy 1 et 2, Dawn of Soul. Sword of Mana. Donkey Kong Country. Wario Land 4, Rayman Advance, Tac, Inspector Gadget, Euras Moquette, Running Burning Rubber, Dave Mira, Freestyle BMX. Et pour finir, le très mauvais Driver 2 Advance. Et voilà qui clôture cette vidéo d'inventaire de ma collection de jeux rétro. Je vous épargnerai donc tout ce qui est PS1, PS2, première Xbox, car la vidéo commence à être pas mal longue. Et je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours s'il y a certains jeux dans cette liste que j'ai pu énumérer qui vous ont marqué, ou voilà, ce genre de choses. Si vous êtes plutôt comme moi un collectionneur passif et occasionnel, opportuniste, ou alors si vous êtes prêt à vendre père et mère pour faire le full set de vos rêves. Voilà, c'était le rat qui pue. Je vous remercie. N'oubliez pas le pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao !